J'ai peur de la peine. Hein? À chaque fois qu'on le fait, à peine une minute comme ça là, c'est fini quoi. Comme un petit lapin. Et je le sens dans son visage, je vois que elle n'est pas satisfaite. Ça me fait mal, ça me touche vraiment. Et à chaque fois maintenant que je veux me lancer, je n'y arrive plus. Non, je ne peux plus. Je n'ose plus parce que là, c'est trop quoi. Hein? Comment vous allez m'aider là? Je vous comprends, monsieur. Sachez qu'environ 35% des hommes sont éjaculateurs précoces. Mais ils n'ont pas tous le courage d'en parler comme vous venez de le faire. Vous pouvez être fiers de vous. Nous sommes là pour vous aider. Et rassurez-vous, ça peut se résoudre. Ok. Mais madame, vous me rassurez là. Ça me donne de l'espoir parce que là, je pensais que c'était fini pour moi. Mais moi, je ne peux pas, je ne comprends pas. Pourquoi moi? Ça m'arrive à moi. Pourquoi? Hein? Une éjaculation précoce est le résultat d'une forte excitation. Mais les principales causes sont d'ordre psychologique. En effet, en présence de situations comme l'anxiété, la fatigue, l'angoisse et le stress causé par les problèmes conjugaux ou même la peur de l'échec, certains hommes ne parviennent pas à contrôler leur éjaculation qui survient mais alors de manière automatique durant un rapport sexuel. Dites-moi monsieur, en avez-vous parlé à votre conjointe? Hein? Je vais lui parler comment? Elle va me laisser. Moi, je ne peux pas lui parler. Non, impossible. Quoi? Je l'aime trop pour qu'elle puisse... Je ne peux pas vivre sans elle. Il faut laisser. Hein? Vous me comprenez, non? Mais alors, comment faites-vous? Ah, madame, quand on est en train de faire que je sens que ça va sortir, je cours, je vais aux toilettes, je dis que je vais pisser. Et quand je reviens là, en même temps, je dis que j'ai perdu l'envie et tout. Et que je n'ai plus la concentration... d'attendre que ça va revenir, quoi, vous voyez. Mais je sens qu'elle est en train de se douter de quelque chose. Ce n'est plus comme avant, quoi. Elle arrive à capter les choses, oui. La première étape est de discuter de ses attentes et de ses peurs avec votre partenaire pour qu'elle puisse, à son tour, vous rassurer et vous aider à vous débarrasser de votre angoisse et de votre peur de l'échec. L'usage de certains préservatifs peuvent aussi vous aider énormément dans l'intimité. Quelques méthodes comme le self-control et le stop and go peuvent s'avérer très efficaces pour faire durer l'acte. Ah. Mais madame, je vois, mais est-ce que vous ne pouvez pas m'écrire et tout ça là quoi? Vous me mettez ça sous écrit, comme ça j'ai la mémoire courte, je ne peux pas gérer tout ça là. Je vous enverrai tous les renseignements et les conseils dont vous aurez besoin par message. Voilà. Sur votre WhatsApp, Viber ou Skype. Ah, madame.
Vous êtes même branché, hein, vous avez WhatsApp, c'est bien. Et vraiment merci, merci beaucoup parce que vous m'avez vraiment aidé. Je vais prendre vos conseils en compte et je vais essayer quoi. Vous m'avez vraiment aidé, vous êtes mon ange, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous, monsieur. Et n'hésitez surtout pas à nous recontacter. Ok, merci madame. Comme à toi, ma reine. Ton lion est de retour. Waf, waf. Est-ce que le lion t'aime? Le lion ne fait pas ça. Je me fous. Ça va? T'es prêt pour le match? Hein? Le match? Quel match? Avec les gars. Putain, j'avais complètement oublié. Tu m'as pas rappelé ça? Oh. Chaque jour, on fait le match, tu me demandes. Oh. Voilà. Mon lion! Axel! Oui! Attends, 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 Axel, attends. Oh. Je reviens, je reviens. Mec, oh! Attends. Marino! En fait, je dois aller jouer au foot avec Dati et des potes. J'avais oublié de te le dire. Et. Bon, voilà quoi, je dois partir. Ouais. D'accord. Vas-y et laisse-moi seule dans cette dangereuse jungle. Sans défense. Oh my god. Attends, je reviens. Au fait, élément, j'ai un mal de ventre là depuis hier, tu vois. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Là, c'est encore revenu, j'ai la diarrhée depuis hier. Et moi, je dois dire quoi au boy? Salut l'aide de ma part, voilà. Non, mec, arrête. Oh, Axel. Vas-y, vas-y. Axel, oh. Vraiment là, hein? Au fait, joli ton maillot. Grosse fête, dégage. Normal, c'est Nidia. Espèce de con, hein.